On se retrouve dans un nouveau vlog. Je suis malade, je ne suis pas maquillée, je suis à peine coiffée, bref. C'est comme ça. Je vous ai mis un vlog en ligne ce midi, en tout début d'après-midi. Et donc, on en reprend un. On reprend un peu les habitudes. Vous savez que je vous ai fait beaucoup, beaucoup de vidéos en décembre. Vous allez continuer à en avoir beaucoup, puisque bah, vous le savez, je ne travaille pas. Donc, j'ai beaucoup plus de temps, mais j'essaye de vous intégrer des trucs à peu près intéressants, quoi. Bref. Je suis allée à Action. Comme d'habitude, je vous mettrai les prix ici. Je vais y aller pour des choses juste beauté. L'une d'entre vous m'a proposé de m'envoyer ses blushs, contours et highlighter liquide. Je suis essoufflée, je viens de monter les escaliers. En plus, je suis enrhumée, donc bref. Donc, je vais bientôt les recevoir, je pense. Donc, je te remercie encore une fois. Merci beaucoup. Et bien entendu, je vous montrerai quand je les recevrai. Mais il y avait des petites nouveautés que je voulais. Bref, dans le rayon Saint-Valentin, méfiez-vous, il y a des trucs beauté tout nouveaux qui sont dans le rayon Saint-Valentin. Donc méfiez-vous, c'est pas du tout dans le rayon beauté. Déjà, les masques. Parce que là, je suis malade. Demain, j'espère, normalement, je ne bouge pas. J'ai pas envie de bouger demain, sachez-le. En plus, on est jeudi, je devais aller à la déchetterie, mais le jeudi, c'est fermé. Du coup, je pense que j'irai vendredi. Bref. Donc demain, je pense que avant ma douche, je me ferai des soins. Et je vous montrerai ça dans ce vlog. Donc, j'ai pris tout d'abord celui-ci. Je crois qu'ils étaient à 79 centimes pièce. Donc, c'est un petit nounours comme ça. Ça faisait très longtemps que je m'étais acheté des masques tissus. C'est vrai. J'ai pris celui-ci. Franchement, il est trop joli celui-là. De toute façon, j'ai pris les quatre. Hein. Le petit ange. Enfin, c'est Cupidon. Et les petits cœurs. Voilà. Je voulais vous rajouter des petites choses. Je vais y retourner dans la semaine ou j'irai dans un autre parce que moi, c'était les dernières pièces. J'y suis allée à 17h et c'était les dernières pièces. Il n'y avait rien d'autre. Donc, j'ai pas pu vous prendre, vous allez voir. J'ai pris également ces deux petits blushs et normalement, il y en a trois blushs comme ceci. J'ai pu en avoir que deux, c'était les derniers. Il y avait Nana qui les regardait. Je les ai pris, je suis partie. Donc, j'ai pris ces petits blushs-là, vous savez, un peu... sous forme de cushion, donc de coussin, pour faire cœur. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, j'ai pris celui-ci. Je suis contente parce que c'est celui qui m'intéressait le plus. L'éteinte. La teinte, elle est écrite où? Peut-être dedans. Alors, c'est les deux derniers. Franchement, je suis dégoûtée parce que je voulais trop vous en prendre. Si j'en retrouve, je vous en reprendrai. Alors... il n'y a pas les teintes, c'est bizarre ça. Bah, c'est la teinte un peu pêche. Donc, ça se met. Vous avez ici le petit tampon. Donc, en cœur. Et ici, vous avez le produit. Donc, on va l'ouvrir. J'ai ouvert l'autre, vous allez voir. Hop. Et donc, c'est orangé. Hop. On va tester tout ça. J'adore. J'aime trop. Vous voyez, deux petits trucs. Hop. On met le petit cœur. Après, vous repositionnez ça. Et vous estompez. C'est hyper léger. Hein. Moi, j'ai mis que un petit truc comme ça, vite fait. Mais je pense que vous pouvez mettre plus. Hein. Franchement, ils ont l'air plutôt mignons. Et ensuite, j'ai pris le petit rose. Et je crois qu'il y a une teinte plus foncée. Et je vous dis, je ne l'ai pas trouvé, tant pis. Donc pareil, hop, le petit tampon, celui-là je l'ai testé. Je vais vous le mettre là. Hop, et vous voyez, ça fait un beau petit cœur. Donc pareil, là j'ai mis qu'un truc, hein, donc ça ne va pas trop se voir. C'est léger, hein, mais je pense que vous pouvez moduler. Donc voilà ce que j'ai pris. Je suis trop contente. Et ensuite, j'ai trouvé ces petites nouveautés. Pareil, c'était les trois derniers. Je pense que c'est les trois teintes qui existent. Un rose, un fuchsia et un corail. Et ça, ça se présente... donc ça, c'est la teinte 184 Peach. Je mettrai tout ça à la poubelle. Ça se présente en stick. Vous savez, un peu comme Rare Beauty. Donc, ceux-là, vous pouvez les mettre sur les joues et sur les lèvres. Donc, voilà pour le Peach. Pareil, hein, je vous aurais mis les prix
Après, c'est le 181 Flirty Pink. Il va falloir que je mette tout ça à la poubelle. Hop. C'est pas hyper, hyper pigmenté, mais bon. Je me suis dit pour le prix, j'avais trop envie de tester. Et ensuite, vous avez le 187 Plume. Celui-ci est peut-être plus pigmenté, vu que c'est un fuchsia, un rose fuchsia. Ouais. Hop. Franchement, ils sont canons. Ça, que ce soit sur les joues ou sur les lèvres, ça peut faire vraiment, vraiment joli. Donc voilà, mes petits achats. J'en ai pour 12 balles, je crois, un truc comme ça. Je suis très contente. J'adore. Donc demain, on se maquillera ensemble. J'espère aller un petit peu mieux demain. Là, je vais aller me mettre en pige. J'ai fait une pâte à pizza. Je ne vous ai pas montré la recette. Je vous le mets dans le petit i, la recette. C'est sur la chaîne d'Alexa. Je ne vois pas l'intérêt de vous la refaire. Je préfère que vous alliez la voir. C'est elle qui nous l'a montré en première. Donc je vous mets ça dans le petit i. Et je vais vous dire si je l'ai réussi ou pas. J'espère avoir réussi ça. Je vais aller me laver les mains. Me mettre en pyjama. Être plus décontractée. Et puis voilà. Ça sera très bien pour ce soir. J'ai fait une pizza pour deux. Moi, j'aime pas à base de tomates. Donc, je ferai, vous savez, une moitié tomate, une moitié base crème. Et puis, Matt a choisi ce qu'il voulait de son côté. Et moi, j'ai choisi ce que je voulais du mien. J'ai nettoyé les affaires de mon titi qui a dormi là cette nuit. Parce qu'il avait fait un gros pipi, mon petit cœur. Donc j'ai tout nettoyé. J'ai nettoyé également la petite couette. Vous êtes un petit peu penché. J'ai nettoyé la couette également. Parce que c'est sûr, dormir de 9h à 11h, kicker, c'était sûr qu'il allait y avoir un petit accident, mais c'est pas grave. Ça se lave vite fait. Et je suis sûre que demain, elle est sèche. Elle est déjà presque sèche. Donc voilà. Bref, je vous retrouve tout à l'heure pour vous faire voir ma pâte à pizza. Eh bien, écoutez, je suis très fière de moi. Merci, Alex. La pâte... Oh là là. Donc, j'ai fait une moitié chèvre et une moitié à mat. J'ai rajouté un œuf à mat en fin de cuisson. Parce que si vous le mettez en début de cuisson, je trouve que c'est moins bon. C'est trop cuit. Donc là, franchement, je suis trop contente. Bon appétit. Coucou. Je vous ai pas pris aujourd'hui. Je vous reprendrai plus demain. Je suis allée faire 2-3 petites soldes avec une copine. Donc, on a été à Kiabi. J'ai pris qu'un truc en solde chez Kiabi. Je suis allée chez Sephora. Il n'y avait rien du tout chez Sephora. Truc de fou. Enfin, franchement, rien d'intéressant. Bref, chez Kiabi. J'aurais bien voulu aller chez Kiko et j'y ai pas pensé. Je vais regarder sur leur site. Chez Kiabi, j'ai pris une paire de chaussons parce que Urus m'a bouffé les miens. Et donc, ils étaient à moins 20% de 7 euros. Donc, ça fait 1,40 euros en moins. Ça m'est revenu à 5,60. Donc, écoutez, ils sont très, très bien. C'est parfait. Pour le prix, c'est largement suffisant. Et je me suis pris un petit pige. Donc, le haut, lui, était à 5 euros. C'est pas soldé. Mais bon, 5 euros, le petit haut. Je l'ai pris en double XL. C'est un petit haut tout simple comme ça. Bleu marine, vous savez, un peu côtelé. Hop, je vous ai dit que j'avais envie de me racheter quelques petits piges. Donc ça, c'était 5 euros en double XL. Et je me suis pris ce petit pantalon de pyjama, pareil, en double XL, à 12 euros. Ecovero. C'est pourquoi? Les fibres... Ok. Hop, je l'ai pris en double XL aussi. Et il est comme ça. J'adore, je le trouve trop joli. Je le trouve trop canon. Et il était à 12 euros. Il y a un tout petit peu d'élastique, mais pas beaucoup, je trouve. Mais franchement, il me va bien, donc tant mieux. Le haut, il est un poil court, mais écoutez, c'est très bien. Donc voilà, pour aujourd'hui. Je pense qu'on se retrouvera maintenant demain. Je vous dirai si j'ai fait une petite commande, Kiko. Peut-être. Peut-être une petite commande, peut-être. Coucou. Aujourd'hui, vendredi, jour où vous aurez ce vlog. Hier, j'ai reçu une commande Shein. Donc, vous ne l'aurez pas dans ce vlog, mais vous l'aurez dans le vlog de dimanche. J'ai décidé que je vous posterai maintenant un vlog... Attendez. Il faut que je prenne tout ça. Hop. Que je vous posterai un vlog tous les deux jours. Je trouve que c'est pas mal.
Donc là, vous en avez eu un mercredi. Là, vous allez en avoir un aujourd'hui, vendredi, donc celui-ci. Et après dimanche, après mardi, je pense que c'est pas mal comme rythme. Donc, je verrai bien si j'arrive à tenir ça. Oui. Hop, je vais ramener le lit et les affaires. J'ai lavé les petites affaires de Nino. Hop, je vais lui ramener. Je me suis bouclé les cheveux aujourd'hui. Attendez, je vous montre un peu. Même si, bon, moi, déjà, mes cheveux sont bouclés. J'ai le boucleur, vous savez, Cosmopolitan de chez Action. Et franchement, il est très, très bien. J'adorerais avoir le Dyson. Mais franchement, 500 balles, ça m'embête, quoi. Je me suis brûlée là, d'ailleurs. Ça fait mal. J'ai juste mis un coup de mascara. Un petit rouge à lèvres Martin Cosmetics que j'adore. Ils sont hyper confortables. Ils sont mat, mais hyper, hyper confortables. Donc, j'aime beaucoup. J'ai plus que mes chaussettes à mettre. J'ai mis ma salopette avec un petit t-shirt cœur. Aujourd'hui, je vais refaire mes ongles. Franchement, il est temps. D'une, j'en ai trois de pété, deux là et mon pouce. Et il y a une repousse de ouf. Donc, bien entendu, je vous filmerai ça. Et le vlog, vous l'aurez ce soir. En bas, il me restera tout l'aspirateur à passer en bas. Donc, ça va. Et là, donc, je ramène à ma copine le lit et les vêtements de Titi. Et ma voiture est pleine, j'ai été la remplir tout à l'heure de cartons, etc. Je vais aller à la déchetterie. Comme ça, ce sera fait, nous serons tranquilles. Il faut que je passe à mon ancien travail aujourd'hui ou lundi. Franchement, je pense que je vais y aller lundi. Parce que aujourd'hui, j'ai trop de choses à faire et puis ils vont attendre. Écoutez, c'est comme ça. Parce qu'ils m'ont fait mes papiers acédiques, mais ça ne va pas du tout les papiers. Rien ne va dedans, donc je leur ai dit qu'il fallait qu'ils me les refassent. En fait, ils n'ont pas... Enfin, les dates sont pas bonnes, je comprends pas. Bref, c'est pas grave. On va aller refaire ça. Et puis voilà. Bref, je vous dis à tout à l'heure. D'ici là, portez-vous bien. Hein. Il est midi 2. Je suis rentrée. Hein. J'étais à la déchetterie. Et donc, j'ai fait à manger. J'ai pris le... Attendez, je vous remontre. Le volume 2 de Bérangère. Et j'ai fait dedans le gratin de torsade au merguez. Donc, écoutez, je vais vous mettre... Juste ici, si vous voulez la faire. Bon, vous savez quoi? Je vous retourne. Vous allez pouvoir faire une capture d'écran si vous voulez. Donc voilà, si vous voulez faire une capture d'écran, franchement, c'est hyper simple. Je ne sais pas si c'est bon. On n'a pas encore goûté. Je vous dirai ça tout à l'heure. Mais c'est très, très simple à faire. Et franchement, à part moi, le râpé de chèvre, j'en ai pas. Et comme Mathias n'aime pas ça, j'ai mis du râpé 3 fromages. Mais sinon, j'ai fait exactement comme elle a dit. Et franchement, ça donne trop envie. Donc, voilà une petite idée recette. Donc, voilà. Mais c'est pas vrai, hein. Dis donc. Laisse-le tranquille, il veut pas jouer. Il l'embête tout le temps. Donc, niveau repas de la semaine, on est plutôt pas mal. Les torsades de merguez, je devais les faire demain midi. Mais c'est pas grave, ce sera fait aujourd'hui. Et on les finira demain midi. Ou on les finira ce soir. Et le mont d'or, je le ferai demain midi. On verra bien. Mais franchement, on est plutôt pas mal. Le tartare de saumon, je ne l'ai pas fait, mais c'est pas très grave. Je le ferai au pire la semaine prochaine. Parce que hier soir, en fait, on n'a pas fait une salade. J'ai fait, vous savez, des œufs à la coque. Ça faisait longtemps et puis on avait envie de ça. Donc, on a fait ça. Mais c'est pas perdu, je veux dire. Déjà, je n'ai pas acheté le saumon parce que, comme je vous ai dit, pendant mon retour de course cette semaine, il n'y avait pas du tout de poisson, je pense, dû à la neige. Donc voilà, c'est fait. Tantôt, donc je vous ai dit, je vais faire mes ongles. Et demain, j'aimerais ne pas trop bouger parce que j'aimerais faire un chinois. J'ai vu que Bérangère en avait fait un cette semaine. J'ai cherché un peu des recettes et en fait, c'est simple. Hein. Je vais faire une brioche normale. Je vais faire une crème pâtissière et je vais incorporer ça après dans ma brioche. Bref, vous verrez ça dans le vlog de dimanche. Je vous filmerai tout ça. Comme ça, je vous montrerai ma recette de brioche. Je vais m'occuper de Urus et de Saphir parce que Urus n'arrête pas d'embêter Saphir. Ne l'embête pas, s'il veut pas jouer, il ne joue pas. En fait, maintenant, ils se sont pris soit à jouer, soit maintenant Urus le lèche. Il le lave, je pense, je sais pas. Il lui fait des câlins, quoi. Mais des fois, Saphir n'en peut plus. Et des fois, il est trempé. Et là, vous voyez, là, il se laisse faire. Ah non, plus maintenant. Bref, des coquins, ces deux-là. Bon, je vais aller les séparer un petit peu. Parce que Saphir, il va être fatigué. Donc voilà, le gratin. Oh, ça donne trop envie.
On va voir ce que ça donne dans l'assiette et surtout dans la bouche. Par contre, ça va être très très chaud. Mathias, tu veux que je te filme, te foutre de moi ? Hein ? Tu veux que je te filme, te fiche de moi ? Non. Tu te filmes de qui ? Poto. Hein ? Moi, allez. T'as de la chance. Ouais. Bah, vous le voyez pas, mais vous l'entendez déjà. Bon. Petite retouche make-up avant d'aller aux ongles. J'ai couché... Je suis essoufflée. J'ai couché Urus dans son dodo. Et je vous ai posté cette petite photo sur Insta. Le doudou. Hop. J'ai mis un peu de rouge à lèvres. C'est un de chez Martine Cosmétique, comme d'hab. Et c'est le Hilda. Hop. Un petit coup de parfum. C'est l'eau de pute de chez Martine Cosmétique également. Il sent trop. Et la bouteille, elle est trop jolie. Donc c'est Matt qui m'a offert ça au jour de l'an. Hop là. Ce sont des rouges à lèvres qui tiennent bien. Là, il s'était un petit peu effacé à boire tout ça. Mais il s'efface hyper bien, vous savez, c'est pas dégueulasse. Donc, impeccable. Hop. Donc, on va aller aux ongles. Et puis après, on va rentrer. Et je pense que je vais me poser un peu. J'ai à moitié mal au crâne. Là, le sac. Les babies. À tout à l'heure, mais du doux. Hop. Les bébés chats, ils seront là. Bref, je vous reprends tout à l'heure. Alors, il est 17h40, je suis revenue. J'ai fait mes ongles. Je vous ai pas filmé là-bas, mais voici mes ongles. Je suis trop contente. Un rouge, tout simple, partout. Je voulais faire un accent nails. Et en fait, on attendra le mois prochain, la Saint-Valentin, pour les petits cœurs. Mais franchement, ça faisait trop longtemps que j'avais fait un trop beau rouge comme ça. Dû à mon travail, je pouvais pas. Et là, au chômage, je peux. Donc, écoutez, j'aime trop. Je suis trop, trop contente. Ensuite, je voulais remercier Ségolène. Elle m'a envoyé une petite lettre. Et dedans, elle m'a mis les produits Fab Factory, vous savez, qui sont sortis à Action, qui sont introuvables. Puisque, comme l'a dit... Manon, des passions de Manon, les gens en achètent pour les revendre sur Vinted à des prix incroyables. Et donc Ségolène a bien voulu me les offrir pour mon anniversaire. Elle les a trouvés et elle les a juste swatchés, mais elle n'aime pas du tout la texture. Donc elle m'a pris l'highlighter, je vais vous faire voir après, hein. Je vais vous faire des swatchs. Le petit blush, donc ce sont des dupes de chez Charlotte Tilbury. Et le contour. Moi, j'ai plein de dupes, dont... Enfin, plein de dupes, Bérénice, n'abusons pas. J'ai un dupe de chez Primark qui sont géniaux. Donc, je vais vous les tester après et je vais vous faire des swatchs. Et comment ? Je vais vous parler également de Who We Are tout à l'heure. Et je clôturerai le vlog et vous l'aurez tout à l'heure. Et donc, chez Passion Beauté, où je vais faire mes ongles, il y avait des soldes. Et ma maman, ça faisait un moment qu'elle me disait qu'elle voulait se racheter ça de chez Clarins, le Milky Boost Cream. C'est le crème de lait teinté, éclat et soin en teinte 0,3. Il était à moins 50% chez Passion Beauté. Donc, au lieu de 43,80€, 21,90€. Donc, je lui ai repris. Comme je la vois là ce week-end, je vais lui donner. Et dedans, Mélina m'a offert... l'hydra essentiel, crème désaltérante, SPF 15 de chez Clarins. Donc, je vais pouvoir tester. Et un petit échantillon de Fame de Paco Rabanne. Je l'adore ce parfum. Je l'ai déjà eu et je l'aime beaucoup. La bouteille, elle est canon. Donc, voilà. On prend un petit goûter avec Matt parce qu'il est 17h40. Et écoutez, c'est l'heure du goûter chez nous. On mangera un peu plus tard ce soir. Et je vous retrouverai après pour vous faire et les swatchs et vous parler de Who We Are. Il y a un nouveau code promo, des super beaux bijoux. Ils ont une nouvelle collection qui est sortie avec du vert. Franchement, vous allez voir, c'est canonissime. Donc, je vous donne rendez-vous dans une seconde pour vous, 10 secondes pour vous et pour moi, le temps de prendre mon petit goûter avec Matt. Et puis, voilà. Et après, je clôturerai ce vlog et je vous le mettrai en ligne ce soir. Donc, voilà. J'ai fini mon petit goûter. Vous avez vu, j'en ai pas remis.
Et franchement, il tient trop. Bref. On fait les swatchs. Donc, c'est même pas 2 euros le truc. Si vous le trouvez à Action, écoutez, prenez-les. Donc, le blush, l'highlighter et le bronzer. On va swatcher tout ça. Alors, vous avez... faut tourner pour que ça soit on. Je sais pas comment je vais vous montrer pour que vous voyez. Vous voyez, hop. Donc... Moi, comme d'hab, j'en ai mis 3 tonnes. Je comprends pas que tu l'aimes pas. Parce que franchement, il est canon, le blush. Oh, il est hyper lumineux. Vous avez mon Gugus qui est en dessous. Il est hyper, hyper lumineux. Franchement, canon. Bon, t'es pas obligé de me faire bouger mon truc non plus. J'aime trop. Franchement, je suis trop contente. Et l'highlight... À chaque fois, je mets 3 tonnes. Ça sort pas et d'un coup, ça sort. Mais c'est pas possible. Ça, je crois que demain, je me maquille avec. Oh, l'highlighter, regardez comment il est trop beau. Oui, j'en ai mis 3 tonnes. Oh, c'est magnifique. Franchement, je suis trop contente. Merci beaucoup, Ségolène. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Gugus? Touchez pas à mes piqûres. Non, par contre, le bronzer, il est très, très foncé. Hein. Écoutez, bien estompé. Oh, franchement, c'est canon. Oh, je suis trop contente. Je suis joie. Bien sûr, on va enlever tout ça. Et franchement, c'est trop beau. Oh, l'highlighter et le blush, ils sont hyper lumineux. Et le bronzer, bah, bien estompé, bien travaillé. Je pense que ça peut faire très, très sympa. Mon Gugus, qu'est-ce que tu fais? Merci beaucoup, Ségolène. Franchement, je suis trop, trop contente. Contente. Ça, je pense que même si je les retrouve, je vais les reprendre parce que ce sont des trucs qui se terminent hyper, hyper vite. Urus, t'es en train de tout faire bouger, mon amoureux. Bref, on parle où we are. Donc, cette partie est en collab, quoique je ne suis pas payée pour vous en parler, mais je reçois les produits gratuitement, je fais une sélection de produits et ils m'envoient ce que je veux. Donc, j'ai pris 3 produits. 2 bracelets et une bague. Et la bague, elle fait partie de la nouvelle collection. Je vous mettrai son prix, son petit nom. Tout est en barre d'infos, ainsi qu'un super code promo. Ce code promo est valable 8 jours à compter de la date d'aujourd'hui, du vendredi 12 janvier, pendant 8 jours. C'est une marque qui a un nom complètement anglais, mais qui est totalement français. Quand vous faites une petite commande, il y a 50 centimes de votre commande qui est reversée à une association. Vous aurez le choix à la fin de votre commande sur 3 associations, il me semble. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tous leurs bijoux sont soit en argent massif ou en or, je ne sais plus combien de carats. Je ne voudrais pas vous dire de conneries, donc je préfère vous l'écrire. Moi, j'ai des bijoux qui datent de plus de 3 ans maintenant. Je crois que ça fait 2 ou 3 ans que je collabore avec eux. Et franchement, ils n'ont pas bougé. Ma maman en a, mon père en a, Clara en a, Charline en a, Lisa en a. Et ils en sont trop, trop fans des bijoux. Lisa a même, il me semble, passé une commande pour sa maman, pour Noël. Enfin bref, moi-même, j'ai déjà passé des commandes pour... enfin, en dehors des partenariats. Ça suffit. Elle veut pas. Là, il y a Ruby. Oui, là, il y a du linge, mais c'est parce que j'ai Chine à vous tourner. Et regardez-le, lui. Elle veut pas. Elle aime pas ça, elle. Donc, je sais plus ce que je vous disais. Donc, ouais, moi, ils n'ont jamais, jamais bougé. Je me baigne avec, je me douche avec, je transpire, etc. Et jamais ils ont bougé. Tu veux faire quoi? Il veut quoi, cet enfant? Il veut un bijou où we are. Wow. Ah, doucement, doucement, doucement. Oh là là. Oh. Bonjour tout le monde. Oh, oui, mon doudou. Oh, t'es mon doudou, toi. Oh, t'es le doudou à maman. T'es le gros doudou, par contre, parce que maman, elle peut bientôt plus te porter. Bah oui. Bah oui.
Un petit cucu. Oh, c'est le bébé. Mon amour. Oh, c'est l'amour à sa maman. Oui, mais maman, elle file, mon amoureux. Bah oui. Bah oui. Allez, t'attends un petit peu. C'est mon gros doudou. Donc voilà, ils n'ont jamais bougé. Plein d'entre vous ont déjà passé des commandes. L'une d'entre vous, d'ailleurs, déjà l'année dernière, quelqu'un d'entre vous avait gagné une carte cadeau. Cette année, l'une d'entre vous a encore gagné une carte cadeau de 80 euros. Et elle est ravie de ce qu'elle a pu commander. Donc, à mon tour de vous montrer, ils ont sorti une nouvelle collection. Franchement, elle est canon. Et dans la nouvelle collection, moi, j'ai pris une bague. Et j'ai pris une bague verte. Et franchement, je la trouve trop, trop jolie. Elle est comme ceci. Donc, vous avez des tailles aux bagues. Celle-ci va jusqu'à la taille 60. Moi, je fais plus grand. Mais je l'ai prise parce que je voulais la porter, vous voyez, au petit doigt. Donc, vous pouvez la porter des deux sens. Hein. Hop. Comme ceci. Franchement, je trouve ça trop, trop joli. Ça, d'ailleurs, c'est une Ouya. Ça, c'est une Ouya. Je vous dis, j'adore Ouya. Et vous pouvez très bien la porter, vous savez, en bague de phalange. On va la mettre de l'autre côté pour une bague de phalange. Hop, comme ceci. Mais franchement, moi, j'aime trop. Je les trouve trop, trop jolies. Et là, vert, c'était fait pour moi, cette collection. Donc, j'ai pris ce petit bijou. Tous les bijoux sont dans des petits pochons comme ceci. Franchement, hyper quali. Franchement, vraiment. J'adore leurs petits pochons. Bon, Urus. Ouh, je vais me fâcher. C'est envoyé dans des petites boîtes comme ceci également. Franchement, aimanté tout ça. Hyper bien. Et ensuite, j'ai pris des petits bracelets. Donc, les petits bracelets, c'est pareil, c'est dans des petits pochons. Et c'est présenté sur des petits porte-bracelets. Donc, je vais vous montrer un par un. J'ai pris déjà celui-ci, ces deux petits cercles mis ensemble qui sont un petit peu martelés et franchement il est trop beau. Donc là je vous montre encore des bijoux dorés mais ils ont plein argenté également et franchement je les trouve trop trop jolis. Pareil, hein, il sera en barre d'infos. Et pour l'autre, vous allez voir, c'est très fin également. Ce sont encore deux petits ronds ensemble. Hop. Et souvent, il y a les colliers qui existent ou les bagues qui existent de la même catégorie. Et donc là, je sais que le collier existe. Donc, vous voyez, c'est deux petits ronds hyper fins. Hop. Et franchement, les deux bracelets sont trop jolis. Même pour faire des petites... vous savez, des... Comment on dit? Des assortiments ou quoi. Hop. Ensemble, ça peut faire très sympa aussi. Donc franchement, j'adore. Je trouve ça canon. Et vraiment, ils sont trop, trop beaux. Donc je suis contente encore une fois de pouvoir être en partenariat avec eux. Encore une fois, je ne suis pas payée. Je ne touche pas de commission ni rien. Hein. J'ai vraiment les produits gratuitement. Et c'est largement suffisant déjà. Je suis très contente. Mon doudou! Mais c'est quoi ce petit bébé? Et voilà, je devais vous en parler parce que moi, j'aime bien leurs produits. Et à chaque fois que j'en reçois... Je vous en parle parce que je trouve ça cool. Et avec un petit code promo en plus, c'est plutôt très très sympathique. Les gars, pensez, il y a bientôt la Saint-Valentin. Les filles également, puisque il y a des produits. Vous n'arrêtez pas de bouger. Ouh, c'est un bébé qui n'est pas sage. Il est pas sage. Que ce soit les gars ou les filles, pensez à la Saint-Valentin. Un petit bijou, ça fait toujours plaisir. Et dedans, il y a des produits et masculins et féminins, mais aussi unisex. Tout va pour tout le monde, on va dire. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà. Dites-moi si vous avez déjà testé ou si vous allez tester Ouya. Ça m'intéresse. Donc, voilà, voilou. En tout cas, moi, je vais vous faire des bisous. Je vais vous laisser là. On se retrouve dimanche dans un prochain vlog. Dans le prochain vlog, vous aurez du Shein. Et je pense quelques petites recettes au robot. On verra bien le temps que j'ai. Un petit peu de ménage également. Et puis, ce sera pas mal parce que Shein, je pense que ça prend un petit peu de temps. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, je vous envoie plein de bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à dimanche. Bisous tout le monde.